so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Ouais, je te propose une petite linéaire. Oh putain, la frappe que je viens de te prendre. Oh oh. Bateau, là. Oh ouais. Bah, ouais, je t'ai pris une cartouche. Ça pue le sang, par contre. Bon, par contre, faut que je change de couleur alors. Si ça va pas piquer. One up blanc. Regarde. Changement de couleur. Ah, il annonce beau ce week-end. Ouais, ouais, c'est ça. Oh putain. Je vais rien réussir à prendre quoi. Encore loupé. Tu t'es tapé. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'ai pris une schiste. Ouais. Lundi, mardi, rien. Je sais pas, après le mercredi. Et jeudi, je sais qu'il y a eu, il y a eu des mecs en flotte. Par contre, là, ils ont fait 80 poissons. Ouais. Ils sont gavés et. Et après. Oh, poisson. Ouais. C'est pitchoun. Ça c'est la perche. Ou une petite mini serpie. Ça n'arrive pas. Super chaud. Je mets pas le leurre. Hein. Ok. Qu'elle existe, mais pendant plusieurs années on l'a pas faite, on l'a pas organisée parce que voilà, on était pris les uns les autres, c'est compliqué, c'est toute une organisation quand même. Et depuis l'an dernier, on est parti sur un concept un peu plus sérieux, compète amicale, mais quand même avec un petit challenge sympa et surtout avec des lots sympas pour relever un peu le truc. Après, donc c'est une compétition sur 2 jours. Uniquement cendre, donc c'est quand même assez original au format pour la France parce que les compètes mon espèce c'est assez rare. La maille 400 mm et le concept c'est on ne met pas les poissons viviers, on fait une photo sur la réglette et on poste la photo sur la page de Facebook. Le lac est 100% électrique, il est assez grand, il est relativement long, il fait 260 hectares, donc les bateaux
Ça pêche autant en amont que sur la digue. Ah ouais. Oh putain, t'as loupé. Il y a le plus gros poisson quoi. Yeah. Ça m'étonne pas de lui. Putain, j'ai pris une schiste moi là. Ah oui, oui, oui. Ah, il est bon mon frère. Putain, j'ai pris une schiste moi. Déchaussé pour changer. Alors, dans ce bordel, qu'est-ce que j'ai? Oh non! Non! Tu l'as vu la canne? Oh là là, putain! Ah, j'ai fait. Là, c'était maillé. Perche. Ouais, mais perche correcte. Hop là, décroché. Il y a un centre qui va taper un jour sur ce truc. Sur ce truc là. Oh! Ah, loupé. Je suis dans le bord là. Oh là, par contre, c'était peut-être ça. Moi. Wow, je t'ai pris un atout. Non, ça doit être de la perche vu que je viens de prendre piquer une maintenant. Perche. Ouais. Hop. Le coffre, mon petit leurre là. Jolie petite perche. En tout cas, elles se réveillent. Elles, il n'y a pas de problème, elles sont là. Putain, ça c'était une touche golden perpi quoi. Ah ouais. Oh là 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 là. Ça y est, les perches, elles bougent là. Ça, c'est des belles perches. Là, ça me chasse pas. Il y a des poissons de plus de 40 là. Ah, loupé! Ah bah, moi, c'était ça. À la touche, c'est du centre, c'est pas de la perche. T'as bien les leurs en plus. Hein. Ah, elles ont un bide. Mais plein la gueule, bateau aussi, voilà. Putain. Doublé de perche quoi. Tu veux mettre à l'épuisette, on s'en fout, on remet comme ouais, ça, on fait pas. Putain, il est bien en train de se serrer. Poisson.
mais c'est pas ça qu'on veut, nous. J'ai même pas le temps de descendre à l'heure qu'il y a déjà une perche de piquer, quoi. Tu lui feras peut-être monter, mais elle t'apprend pas à la surface. Tu fais... Oh putain, la cartouche. Ah oh, oui, j'ai plus de l'heure. Oui, j'ai plus de l'heure du tout, là. Il m'a volé mon leurre. Bon, j'avoue, il était éclaté, le leurre, mais... Bon, on va mettre un beau leurre, parce que comme ça, on va voir s'il n'y a pas un joli fiche qui traîne. Et ben là, il y en a du blanc, on les sent. Hein. Oh oui, putain. On les sent bien comme il faut. Oh, cette perte de tension! Je sais pas si j'ai touché un gros, une huitième perche qui a vraiment tapé dans mon fil ou quoi. Mais c'était pas vraiment une tape, c'est sur le leurre. C'était comme s'il y avait un poisson qui soit qui remontait mon leurre, soit qui tapait fort dans mon fil, tu sais. Qui me décalait totalement ou qui donnait un grand coup de queue dans mon fil. Parce que là, c'était. C'était vraiment pas comme une grosse tape. À chaque fois, devoir enlever les gants, se mouiller les mains, alors qu'il faisait moins 4 degrés. C'est pas gros. Un peu normal qu'elle ait eu peur. Ça sent le silure, ça, non? Ça sent le paille, surtout. Ou le brochet? Ouais. Allez. Est-ce que t'as vu la perche passer, mais en mode flip total? Non, je l'ai pas vu, non. Bien joué. Pas l'espèce recherchée, mais bien joué. C'est sûr. Ça fait du bateau, ça fait des fiches. Allez. Je suis pas le premier à la piquer, celle-là. Elle a une deux fois une autre. Par exemple, on était 60, ça s'est très bien passé. Ça s'est fait à la fois en amont et à la digue. Donc, honnêtement, on a bien rigolé. Le temps, la météo était top. Les compétiteurs vraiment sympas. Donc, vraiment, ça s'est bien passé. Les sponsors ont vraiment joué le jeu. Donc, voilà, je vais les reciter. Il y a Fish Connection, French Shed Fishing. Navicom bien sûr, hein, MC Tech avec sa marque Lawrence. Nous avons un magasin de Hoche, Pêche à tout 32, qui a participé à la dotation également. Sakura, Fox, webshop fish and chip.shop. Et je ne voudrais pas en oublier évidemment, nous avons Botbox System qui vend des batteries lithium. À la troisième place, avec 2606 points et 6 poissons. J'appelle Clément Huguenot. Tu gagnes un combo casting offert par Sakura et évidemment une superbe coupette.
Merci. À la seconde place du classement, j'étais leader hier, mais aujourd'hui ça a moins bien marché malheureusement. Avec 7 poissons quand même et 3255 points, j'appelle Bertrand Ginest. Bravo. Du coup, tu as droit à un LX7 offert par Nordicom. Une belle coupette pour le souvenir. Merci. Voilà. Le grand vainqueur qui a mis tout le monde d'accord avec 2000 points d'avance sur le deuxième, avec 5205 points et beaucoup de serpilles en fait, parce qu'il en fait 5 hier, il en fait 6 aujourd'hui. Donc il a défoncé tout le monde. Il a gagné l'an dernier déjà. C'est Alexis Galitro. On va tout vous donner la recette. Premier prix, L17 offert par Lorenz. Oui, tiens, et une belle coupe pour le winner. Parce que tu es le super winner. La particularité de la Serpi Cup, c'est qu'il y a aussi un classement pour la plus grosse Serpi du week-end. Et la plus grosse Serpi du week-end, elle est énorme. C'est un véritable bunker de 605 mm. Et il a été attrapé par Julien Issanchou.